Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour de chasse, nouvelle vidéo de la phase d'exploration du Mississippi dans The Hunter Call of the Wild. On se retrouve après l'introduction. C'est parti, let's go! Donc, lors de la dernière vidéo, j'avais le chien, mais le chien m'a pris la tête. Il ne sert vraiment à rien du tout. Du coup, on s'était arrêté dans cette zone ici, là. Et on va continuer gentiment. Donc, on va aller là et après, on ira ici pour débloquer le reste de la zone. Et si on a le temps. Si on a le temps, on ira dans une autre zone, histoire de voir ce qui s'y passe. Genre, ici, là, je pense que c'est une traversée de bateau. Du coup, bah, on prendra le bateau et on ira visiter d'autres lieux. Bon, j'ai changé aussi la mire, hein. J'ai pris... Alors j'avais la 8-16, là j'ai pris la 4-8, parce que la 8-16 elle a vraiment trop d'oscillation, de recul, ça bouge de trop. Et là du coup je vois un peu plus près que prévu, donc on va rester comme ça, on est plutôt pas mal. Ouais, lapin. Problème des lapins, c'est vas-y, va trouver un lapin là-dedans, toi. Puis un lapin qui se barre. Ça court vite, ces petites bêtes. Ah oui, serre de Virginie. T'es où? Alors, il y a une femelle qui est là, ok. Le mâle, il est où? Ok, bon, la femelle et le mâle sont tombés. Alors, par contre, me demandez
sais pas où. Je pourrais pas vous dire. Alors, organe non vital touché. Ça c'est quand il venait là, ok. J'avais un repérage d'animal. Cinquante. Pas possible que ce soit par là. Il y a un renard qui m'a repéré. D'accord, ok. Ouais, le renard, il est vraiment pas loin.
Il y a un truc qui grogne. C'est quoi qui grogne comme ça là? Je sais pas si vous l'entendez. C'est quoi, il y a un raton laveur pas loin? Ok, j'ai trouvé mon cerf de Virginie. C'était ça qui grognait. Le grognement, alors que je sais pas ce que c'est, ça me rend ouf, hein. Alors, elle est où la petite dinde? Je vais aller le chercher. Ah putain, c'est un alligator!
t'ai vu. Merde, par contre, la piste de Mondain, de mon cerf de Virginie. Ah, putain. Putain, j'ai été con, mais j'ai été con. Ah, je l'entendais grogner, je l'entendais grogner, et du coup, putain, j'ai été bête. Bon, en tout cas, je suis content, les alligators attaquent. Là, au moins, je sais. Ça fait plaisir. C'est ce que j'attendais, hein. De la part d'un alligator, c'est ce que j'attendais. Ok, bon, ça va. J'ai réussi à retrouver la trace rapidement. Ok, je l'ai trouvé. Parfait. Ah là 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 là. Alors, qui sert de Virginie? Et il est où, mon mâle? Il est où mon cerf de Virginie là? Mon cerf de Virginie mâle. Je m'excuse hein, pour les allers-retours, les amis, mais. Que j'étais censé avoir abattu un. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, hein. J'étais censé avoir abattu un cerf de Virginie mâle. Je sais pas où est-ce qu'il est. J'ai pas de traces. J'ai perdu les traces que j'avais. Des dindes, des dindes. Ours brun, ours noir, pardon.
C'est vrai qu'Ours-Brun, c'est pas la même zone. Théo, ma belle. Où tu te caches? Allez, montre-toi, ça va être vite réglé. Ah, c'est un cri d'accouplement avec la pousse. C'est pas un cri d'avertissement. Mais j'arrive pas à la voir. Oh. Ok, bah c'est des belles dindes. Et la deuxième, elle est tombée là-bas. Et bien sûr, c'est dans ces moments que je n'ai pas Gypsy. Sinon, ce n'est pas drôle. N'empêche, celle que j'ai tuée en deuxième, là, elle a vraiment pas eu de peau parce que là où elle s'est enfuie, c'était juste devant moi, quoi. Donc, elle s'est pas enfuie véritablement très loin. Et en plus, elle s'est mise dans ma ligne de mire. Donc, c'est pas de bol pour elle. Allez, ça va augmenter.
Hop là. Comme je disais, hein, j'ai pas Gypsy avec moi. Là, pour le coup, c'est dommage. Parce que là, j'aurais pu lui faire prendre un ou deux niveaux. Trois dindes. Des femelles en argent, ouais. Approche, ma belle, approche. Sois pas timide. Fais pas ta timide. Et quitte à choisir, je sais pas, je préfère le renard léger quand même. Ah, tu vas pas me dire qu'il a fait fuir la renarde? Allez, s'il te plaît, j'ai plus beaucoup de temps. Bon bah tant pis hein, pour le renard. Contre toi, au lieu de me gueuler dessus là. A priori, il est tombé, mais j'espère qu'il va pas me faire courir. Cinquante 75, a priori, ça devrait le faire. Cinq cinquante. Oui.
Vous voulez que je vous refasse la façade, madame l'ours? Oh, qu'elle est belle en plus. Pas sûr de l'avoir touchée, celle-là. Merde. Les traces, s'il vous plaît, les traces, bordel. Allez, pour pas changer. Hein, sinon c'est pas drôle. Là-bas. Ok, trouvé. C'est moche. Alors par contre, vous avez vu, pas de repérage de l'ours alors que je l'ai bien vu, hein. Bon, puis a priori, elle n'est pas tombée de toute manière. Très ancienne. Très bien que j'arrive à avoir un petit renard là, ça me ferait plaisir. Parce que le renard, c'est. Je l'ai pas encore eu avec vous. Je l'ai eu hors vidéo. Celui que j'ai tué à 360 371 mètres là. Y a pas de traces de sang de l'ours, donc voilà, elle n'est pas tombée. Sûr et certain, elle n'est pas tombée. Allez. Je suis caché dans un petit buisson et là le petit buisson me cache quoi. Amène-toi. Amène ton museau. Que je te remette un coup de pinceau.
Te fais pas désirer, moi je veux simplement te tuer. Ok, merci à la feuille. J'entends des bruits de pas. S'il te plaît. Voilà le petit renard gris. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique. Elle est magnifique, vraiment. Impeccable. Bon, allez, on va aller. Et là, je ne m'arrête plus pour les animaux. Je vais jusqu'au point d'observation. Les amis, ah. Et on va se quitter au niveau de l'observation. Ah, c'est moche. Alors, c'est très très moche. Allez, hop, touché. Bon, comme ça, on se quitte sur un beau truc. Deux tirs magnifiques sur des dindes. Et encore une fois, je n'ai pas de gypsy. Attendez, attendez. Ah ouais, je l'ai vu partir. Dommage, parce que lui, il est beau. Mais c'est la folie! Ça, c'est parce que c'est un mâle. Ah, vous pouvez être sûr. Vous pouvez être sûr que c'est parce que c'est un mâle. Du coup, je l'ai pas eu. Hey, 882 quand même pour des dindes, hein. On n'aura jamais vu des dindes aussi chères. Bon, allez, les amis, hop. Le cerf de Virginie, j'irai le récupérer moi tout seul. Là, faut vraiment qu'on se quitte parce que sinon, ça va dépasser l'heure. Puis il va falloir que je rachète des balles encore, moi. Ah non, c'est bon, stop.
Eh, n'empêche. Vas-y, vas-y, va jouer aux billes, tu me vénères là. N'empêche là, vous vous mettez ici là. Oh, bah dis donc! Bien envie d'essayer, moi. 280, 320 mètres. Minerve est en PLS, ce bouffon. Arrête d'être en PLS, trou du cul. Handicapé. 280, 320 mètres. Vas-y, vas-y. En plus, il se met à marcher, ce trou du cul. Ah putain, je suis pas loin. Ah, je suis devant lui. Je sais juste un dernier chargeur. Dégage. Putain, je suis vraiment pas loin, c'est chiant. Eh, je suis dessus, hein. Je comprends pas, je suis vraiment dessus, quoi. Ta gueule. Oh bah, hé! Lui, je l'ai touché. T'expliques ça comment, s'il te plaît? Ah oui, puis il va mourir, hein. J'en ai eu un. Comment t'expliques que lui, là, j'arrive pas à le toucher, sérieux? Allez, hop, touché! Allez, hop, on va faire ça. Observer. Nouveau lieu à ajouter à la carte. Je vais vous garder avec moi. On va aller chercher les deux dindes là que j'ai touchées. Ah bah voilà, impeccable. Impeccable. Ok, donc bah du coup, il reste plus que ça. Allez. Hop. Par contre, on va éviter de crever tout de suite, ça serait con. Ah ouais, lui, il veut pas, hein. Bon, là, ok, d'accord. Vas-y, casse-toi, le cerf de Virginie. Allez, hop, on va y aller. Il y en a une, c'est à 290. Et l'autre, c'est à 300, entre 300 et 330. Eh ben voilà. Bon ben je me souviendrai que pour cet endroit-là, là, c'est l'endroit idéal. Alors attendez, il est quelle heure au niveau du téléphone? Ok, entre 15h et 16h, c'est l'endroit idéal pour
pour les compétences de Gypsy. Enfin, les compétences. Le niveau de Gypsy, quoi. Ah, parce qu'il n'y a que de ça. Hein. Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est bon, là, j'en ai tué assez, dégage. Va-t'en, je te laisse vivre. Ah ouais, puis en plus de ça, regardez ça, il y a un... Alors, attendez, j'ai fait un carton, là, aussi. Deux. Y a des fois le jeu, je le comprends pas. Oh, ouais, oh, c'est bon là. Non mais. C'est pas maintenant qu'il faut vous réveiller, les animaux. C'était avant. Hein. Donc maintenant, faut que je les retrouve. Ouais, fuite, t'as raison. Ours noir, renard gris, ça va aller, ouais. Merde, hein. Alors. Donc. Or, impeccable. 254 mètres 28. On l'empaille tout de suite. Obligatoire. Argent. 313 mètres 77. On l'empaille par rapport à la distance. 878. Ah, franchement, là, moi, j'ai adoré, là. 302 mètres 88, or, un mâle. On l'empaille. 996. Bon, normalement... normalement, j'ai récupéré les trois touches. Un lapin. Ouais, bah, le lapin, là, je pourrais pas l'avoir, par contre. Bon, bah, je crois qu'on est pas mal, là, les amis, hein. Écoutez. Bon, c'est sur ce paysage-là qu'on va se quitter pour aujourd'hui, du coup, et puis après ce... Après cette série de tirs magnifique, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager le lien de la chaîne, c'est important pour les abonnés. Les non-abonnés, je compte sur vous pour vous abonner, c'est gratuit, c'est l'histoire d'un clic. Juste avant qu'on se quitte, moi, je vais aller faire un petit tour ici, hors vidéo, pour recharger les balles, si je peux. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Salut, salut les amis.